Move. Je sais pas si t'as vu, Jeff Bezos veut sauver le monde. Le patron d'Amazon, et accessoirement l'homme le plus riche de la planète, a décidé de donner 10 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique. Via une fondation à son nom, il veut financer des associations et des actions qui favorisent le développement durable, en gros. C'est plutôt pas mal. C'est vrai, c'est génial. Petit bémol, le trafic internet d'Amazon exponentiel participe grandement aux émissions de gaz à effet de serre. Les livraisons de colis qui n'arrêtent pas d'augmenter ont fait exploser le nombre d'emballages dans le monde et Amazon ne paye pas d'impôts. À part ça, c'est vachement bien. Alors j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Oui, donc du coup c'est pas mal moins, quoi. C'est moyen. Je sais pas si t'as vu, les jeux d'argent ont explosé en France. En 2019, 2,8 millions de personnes ont joué de l'argent en ligne, dont 5 milliards d'euros misés rien que sur les paris sportifs. 30% de plus qu'en 2018, qui pourtant était une année de Coupe du Monde. Avec une mise moyenne d'environ 500 euros, le public des parieurs est assez jeune, 64% au moins de 35 ans. Et le sport qui génère le plus d'activités sur les sites, eh ben c'est le football. Eh, j'ai mis grave là-dessus sur la Ligue des Champions, j'espère le PSG, ils vont pas me niquer mon côté match. Ah bah attendez, ils peuvent encore gagner au retour. Ah bah non, j'ai joué la défaite. Je suis pas con, je veux gagner de l'oseille. Je ne me rappelle que je suis pour Paris. Je sais pas si t'as vu, on a encore perdu un grand espoir du rap. Après XXXTentacion et Juice WRLD, le monde du rap a cette fois perdu Pop Smoke. Une star montante du quartier de Brooklyn à New York. Il était tué à Los Angeles, alors qu'il avait que 20 ans. Comme on dit dans ces cas-là, qu'il repose en paix. Ah ouais, tu le connaissais ta post-poke? Eh ben je crois pas, non. Moi ça fait depuis 15 ans que je suis sur SoundCloud. SoundCloud ça existait même pas que je suivais, d'accord? Et toi t'étais où quand ils faisaient des concerts dans des bars devant 26 personnes? T'étais là toi? Eh ben je crois pas, non. T'es un vrai toi? Je crois pas, non. Alors moi je sais pas si je suis un vrai, mais toi je sais qui t'es. Toi, le rap d'après 95, s'il y a plus de 300 vues sur YouTube, tu dis que c'est commercial. Eh ben t'aurais dû aussi fermer ta gueule en 95. Si, c'est important. Faut vraiment que t'arrêtes de parler. Move Radio, Hip Hop Nation.